En 1974, Joseph Beuys est dans une cage métallique à la galerie René Bloch à Soho, à New York, avec un coyote sauvage. Il parle directement au public. En 428 avant Jésus-Christ, Euripide est dans le théâtre de Épidaure avec son chien fidèle, que s'appelle Argos. Il parle directement au public. Vos visages, je ne le comprends pas. La nuit, je me tiens à l'arrière du théâtre. Je vous regarde absorber le sexe, la morte, la dévastation, heure après heure, pris dans une étrange sorte d'excitation infantile. Puis, sans aucune raison, votre fièvre chute brutalement. Museum of nothing. Museum of nothing. Meine Damen und Herren, willkommen. Von die Stocke. Willkommen von die Zentrum für die Tanz und die Tanzartist. Und willkommen von meine Museum of Nothing. Mein Name ist Josef Beuys. Und meine liebe Kunstfreunde, Herr Dr. Jona Bocker, choreografiert, amerikanische, willkommen. Nice to meet you. Und je suis désolé, je suis plein de soucis, parce que je improvise en français. Mais nous avons préparé un Kunstrituel pour vous et pour nous tous. Et je vous assure, ce n'est pas du tout le sacre des printemps, hein, c'est un Kunstrituel plus ancien. Ça fait 3000 ans. C'est ça. Et ce sont en fait les plus anciens mouvements du monde. Si nous faisons tous ensemble, je vous donne une Sackertorte de meine Mutter. Dopo, con lo spettacolo. Lo facciamo. Con le mani, avec les mains. 36 fois. Nous faisons les frappes comme ça. Bravo. Tous ensemble, c'est bon. Oui, c'est super.
Et en fait, cette stimulation, c'est vraiment pour les os de la main. Je fais ça, moi, chaque matin. Je fais ça chaque matin, je trouve ça super. Et c'est toujours 36 frappes. Et après, on peut dire flip. Flip, ça veut dire quoi exactement? On change, on tourne. On change. D'accord. Quand je dis flip, on peut changer. D'accord. On flip. Et après les 36 frappes, c'est super ce soir. C'est super. Et si nous faisons le oui, ça s'appelle comment? C'est le pouce. Le pouce. Bam, comme ça, le pouce. Frappe, frappe, frappe. Mais c'est super. Okay. Toujours 36 fois. Et nous mettons le rect entre des lynx. Ça veut dire le... Droite et gauche. D'accord, d'accord. C'est le droite sous la gauche. Un flip. Flip, ça veut dire change. Bravo. Et en fait, ça aussi, ça peut nous aider avec les nerfs, là, dans les mains. Et c'est pour les... Les nerfs, l'énergie, flip, flip, flip. Mais la participation est très super, mais il faut faire attention dans cette salle, ici, parce que nous ne sommes pas toutes seules. Nous ne sommes pas toutes seules. Et M. Bocquer m'a dit qu'un coyote arrive. Ah! Mais nous faisons les 10 doigts après, tous ensemble. Ça fait frappe, frappe, frappe. Toutes les 10 ensemble. Exactement. Bravo. Ça chauffe aussi la salle. Et avec ce... C'est trop chaud, Jonah? Ok, d'accord. C'est bon. D'accord, mais si nous faisons comme ça, 36 fois, ça peut aider aussi avec le arthritis. L'arthrite. Un lynx, comme les pouces. Bravo. Et ça marche très bien, c'est presque la fin. Hein? Et maintenant, nous faisons comme ça. Tu peux m'aider avec la prochaine, c'est quoi? C'est la pizza. C'est la pizza, ok. Pizza, comme ça, bravo. Mais pas trop fort. C'est juste, frappe très doucement, comme ça. Ce mouvement ici, c'est pour l'oxygène. Et ça donne un peu d'oxygène dans le sang. C'est très, très bien pour la santé. Bravo. Un lynx, yeah. C'est très bien. Et ça, c'est aussi bien, très bien pour les écrivains. Si on a des écrivains dans cette salle, ça peut nous aider aussi. En France, il n'y a que des écrivains. Ah. Ok. Et vraiment, pour finir le rituel, on est presque fini. Nous faisons comme ça, avec les os arrière, les mains. Bravo. Et ça vient de où exactement, Jonah? Du Tibet, vous êtes. Du Tibet. D'accord. Alors, belle participation. C'est super. Je vous remercie. Et je ne sais pas si vous êtes prêt, monsieur Bocquer. Je suis prêt, Joseph. D'accord, moi je suis prêt aussi. Formidable. Je crois qu'on est prêt. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vibration! Und. Die Körper, ton corps est dans un état de vibration après 400 frappes. You are here, whoever you are, wherever you come from, and wherever I go. Toi et moi sommes présentement et insensiblement là.
ayant légèrement penché ta tête vers le bassin de la fontaine, tu inclines alors ton buste pour tenter de regarder à travers une eau relativement claire. Il ne fait pas froid, mais nous sommes revêtus de pullovers et de blousons. Il ne pleut pas et nous ne portons pas de parapluie. Nous sommes ici, en plein pantin, et nous sommes là où nous sommes ensemble pour la première fois. Pensais-tu jadis les premiers comme des fois surchargés d'un moindre risque? Bien que tu n'y vois rien, tu distingues quelques poissons plus des algues ou des détritus en suspension dont tu estimes assez rapidement des nombres que tu n'inscris nulle part ailleurs que dans ta mémoire, laquelle est en cet instant précis aussi vive que des amitiés inconditionnelles parce que puissamment inféodée au rapport hiérarchique de pouvoir ultra personnalisé et asservie à des institutions dont on ne conservera même nul reliquat, mais laquelle aurait pu être aussi morte que des produits à la dérive à l'intérieur d'avions circulant perpétuellement, sinon systématiquement, entre Grand Paris et New York City, alias Manhattan, ou entre New York City, aka Brooklyn, et Acapulco, et dont les soutes transporteraient aussi régulièrement des coyotes autrefois sauvages, prêtés d'un zoo à l'autre, et dont la rareté n'aurait d'égal que l'étrangeté, aux yeux d'êtres humains bientôt immortels, que toi comme moi ne seront probablement jamais. Des produits qui dérivent, remarques-tu souvent, on ne peut conclure qu'il s'agit des produits dérivés. Je te l'accorde volontiers. Tu ne manques en plus jamais de mentionner que la grille d'une cage, si elle n'est pas un produit comme un autre, n'en constitue pas moins d'un produit dérivé d'alliages et des métaux plus fondamentaux, sorte de matière première. Je devine ce que tu es en train d'essayer de penser. Ainsi courbé vers cette fontaine, installée dans un cours de toute beauté, dont tout le monde, ou presque, peut jouir. Tu tentes de penser une poésie prenant la mesure de l'économie. Je y pense avec toi, en ce moment même. Nous sommes nombreux à y penser. Si je suis là avec toi, tu es aussi au bord de la Méditerranée. Sans doute devrais-je te situer à proximité de Marseille, sur une côte française, mais c'est du côté de Gênes, en Italie, que je pourrais t'imaginer en 1571. Fernand Braudel, dans le troisième et dernier volume qu'il dédie à cette mer intercontinentale presque entièrement fermée, évoque amplement la figure de Don Juan d'Autriche. Le 26 juin 1571, indique-t-il, ces dernières se trouvaient dans la cité qui est aujourd'hui la capitale de la Ligurie. Étaient expédiées de Madrid les instructions à Don Juan qui, par les restrictions qu'elles apportaient à son autorité, le mirent dans une colère voisine du désespoir. Dans une lettre écrite à sa propre main, sous le coup de la première émotion, le 8 juillet, il demandait à Ruy Gomez, comme à un père, les motifs de sa disgrâce apparente. Le style en est passionné, émouvant et inquiétant à la fois. J.R. Clobb a raison de penser que ces journées ont dû marquer une grande cassure dans la vie de Don Juan. Elle lui signifiait que sa situation amoindrie de fils naturel était irrémédiable, que le roi avait peu confiance en lui. Sinon, au moment où il gagnait l'Italie cérémonieuse, lui aurait-on refusé le titre d'altesse ou ne lui concédé que celui d'excellence? Aurait-on entouré son commandement royal de tant de prudentes restrictions qu'il devenait un titre vain? Le 2 juillet, il écrivit directement au roi pour lui exposer ses griefs. Je te tends ma main gauche. Nous étions déjà là depuis un moment, côte à côte. Toi et moi, mon ami, cherchant ce qui, dans les éléments du paysage qui s'ouvre à nous, pourrait nous permettre de nous téléporter dans la ville de Gaza ou dans la bande de Gaza.
les deux ayant disparu de la une des actualités ici, en France, mais peut-être aussi là-bas, aux États-Unis, en Tunisie ou en Bulgarie. Si les plus récentes ruines de la bande de la ville de Gaza sont inapparentes à nos yeux qui passent du port à l'horizon et réciproquement, elles n'en clivent pas moins nos esprits respectifs de la même manière. En étant toi d'un bord et moi de l'autre, toi d'abord et moi ensuite, nous discutons amicalement. Aucun insecte ne semble nous tourner autour, pourtant je distingue en ce début de mois d'avril 2015 une coccinelle sur le pull noir que tu portes et qu'un cassidin outrepassant l'âge de 80 ans t'a prêté hier au soir, alors que nous étions assis dans un charmant amphithéâtre extérieur à observer la mer. C'est du même endroit encore qu'en ces instants tu m'adresses un much love qu'il me plaît d'inscrire d'une seule traite sur la paume de ma main droite. Alors que je t'explique m'interroger sur son orthographe, tu me convaincs qu'il s'agit là d'une sorte de littérature attachée, concept que tu as découvert à travers les recherches de l'anthropologue français Pierre Déléage. Tu poursuis ton propos en suggérant d'interpréter cette littérature attachée-là comme le symptôme d'une tragédie dérivée d'une économie qui n'a d'oppressif que ses qualités confisquées par quelques autorités puissamment hermétiques au savoir, aux besoins et aux désirs des gens, de celles et ceux qui font que nous sommes des milliards et que nous serons d'encore plus nombreux milliards dans les années à venir. Après avoir dormi cette nuit alentour à la belle étoile, et avoir été réveillé soit par le soleil, soit par la lune, si demain matin, toi ou moi, tendions l'oreille, peut-être nous demanderions-nous combien vaudrait premièrement une copie de cet amphithéâtre construite dans la région chinoise de Canton, deuxièmement son transfert dans l'un des 7 Émirats arabes unis, ou bien troisièmement sa destruction puis sa reconstruction à l'identique ici même, 140 millions d'années après nos disparitions respectives. Alors que le passage d'un improbable essaim d'abeilles au-dessus de nos organismes encore sous-caféinés serait propice à l'entretien de la circulation de quelques cuves flottantes entre nous deux, nous mènerions l'extrasie des guerres monétaires en vigueur sous l'angle des stratégies des plus grandes puissances mondiales à l'œuvre dans le simple but de nous en extraire, sinon de nous en défaire. Une fois notre petit déjeuner à l'hôtel Giotto terminé, nous nous approvisionnerons sur le marché. Place Baragnon. À un moment donné, tu me pincerais si fortement que le couple qui nous emboîterait directement le pas depuis une dizaine de mètres environ s'arrêterait immédiatement sans que nous puissions pourtant nous en apercevoir, ce qui nous permettrait de scruter ce que tu viendrais de repérer entre une poubelle appartenant au domaine des biens publics et une LaFerrari relevant du bien privé, à savoir un infime tas d'une poudre blanche. Un homme surgirait de l'habitacle de l'hypercar. Il porterait un badge sur lequel aurait été inscrit le nom de Louis Dieudonné. Prononçant des phrases incohérentes et tenant des propos abscons, il se présenterait à nous comme l'être humain de Ardoin de Péréfix réincarné. Je te préciserai que Paul-Philippe Ardoin de Péréfix de Beaumont fut l'un des deux précepteurs du futur Louis XIV. Le bon Ardoin de Péréfix nous apprendrait à avoir sciemment disposé la main de poudre blanche à notre intention, afin de tester notre réaction. Il ajouterait, sans que nous ayons alors senti l'envie de fuir, que l'amas constituerait un leurre cachant en tant que drone nanoscopique à vie sans fin susceptible, par l'action perpétuelle de son canon, de réduire la moitié de l'humanité actuelle à l'état d'eau et de submerger conséquemment un dixième de terre connue. En rentrant à la maison,
nous tomberions nez à nez sur une affiche publicitaire à l'effigie des trains Ouigo, présentée comme « Les TGV rose et bleu par SNCF ». Promouvant des billets à 10 euros l'unité, le slogan ne manquerait pas de piquante. Pourquoi sortir du train-train devrait vous coûter des sous-sous? Il est vrai que sous les sous, il y a le plus souvent la plage et, sous la mer, entre autres bizarreries et câbles capables de mener jusqu'à leur terme des sillons en tout genre. Dans un environnement décidément paradisiaque, toi et moi pouvons, en toutes circonstances et à tout moment, choisir d'être, de ne pas être ou de ne rien être. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Musée du jour. Il est vrai qu'en 1974, c'était la galeriste René Bloch qui a proposé une performance pour le vernissage de sa galerie à Soho. Pour cette performance, il n'y avait que Joseph Beuys, un coyote sauvage, des papiers journaux, The Wall Street Journal, une canne et une saladier de l'eau. Musée du jour. 10 ans plus tard, Joseph Beuys co-organisait à Paris un colloque sur l'argent, rue d'Ulm. Dans les actes qui ont été publiés 7 années plus tard chez l'Arche éditeur, voici un extrait des propos qui sont attribués à Joseph Beuys. Comment tous les habitants de la Terre peuvent-ils coopérer économiquement, de sorte que le bien de tous les individus soit atteint par cette coopération, sans mur au milieu, sans frontières, sans armement ni destruction de la nature? Sur un coup de tête, nous déciderions de partir le lendemain pour Avignon parce qu'il nous faudrait à nouveau observer la cour d'honneur du Palais des Papes. En regardant la fenêtre de la grande audience qui, sur le côté droit, surplombe la cour du palais, tu me déclareras que le mot le plus long est, en langue française, anticonstitutionnellement. Qu'il s'agisse d'un adverbe ayant trait à la question complexe parce que l'évidemment actuel des constitutions n'est certes pas le fait de hasard, mais celui d'une stasis dont l'extrasis nous révèle la nature paniqueuse des politiques majoritaires du moment dont la transformation relève d'un véritable défi. 3 vibrations plus longues qu'à l'accoutumée de ton téléphone portable déposé à tes pieds coupent court à cette conversation tout juste amorcée. Tu fléchis tes 2 jambes pour ramasser le combiné que tu saisis manuellement. Tu réponds et m'apprends qu'il te faut te rendre sur le champ en voiture à Paris. Tu me demandes si je souhaite t'accompagner et je te réponds positivement. Nous quittons la cour. Nous repérons une Renault Twingo de première génération à toit souple dont le pare-brise est recouvert d'une banderole portant la mention « Abandonnée ». Nous nous précipitons vers elle. L'ensemble de ses ouvrants sont verrouillés alors que sa clé de démarrage s'enroulant à son imam. Véhicule populaire dont l'ouverture des portières est aisée pour quiconque sait les manipuler, nous ne tardons pas à nous installer à son bord. L'auto démarre en quart de tour et je nous conduis en direction de la capitale politique, administrative et économique du pays français. À mi-parcours, tu exprimes le désir de changer de caisse. Si tu espères une Lotus Esprit GT3, c'est plutôt au volant d'une plus contemporaine Lotus Exige.